Vous étiez capturé par des bandits. Alors vous parcouriez chacun de votre côté les contrées interdites. Des bandits qui effectuaient une fouille autour des restes d'une tour. Par chance, les derniers sont partis en maraude, vous laissant avec une garde limitée, méfiant, pensant peut-être trop sur d'eux. Les prisonniers n'auraient pas trouvé la force de s'enfuir. Erreur de leur part. Notre ami Nobalek a réussi à crocheter la serrure pour pouvoir agir sournoisement. Mais bon, sans aucun finalement utilité, puisque l'orque Maok a chargé comme une brute dans le tas, faisant un combat plus résultant un combat presque plutôt difficile pour certains. Et même pour Maok qui a reçu quelques coups. Mais heureusement, votre petite troupe s'en est sortie et c'est après une longue réflexion que vous avez réussi à prendre la route vers le nord. Plutôt dans l'espoir de trouver, d'après vos informations, le village des fossés. À moins que changer de direction, allez partir vers d'autres horizons. Entre autres, vous aviez entendu également que à l'ouest se trouvait un autre village, une autre communauté, celle de Grinsas. En tout cas, vous voilà en route après une courte nuit de repos. Vous longiez la rivière quand tout à coup Nobalek, qui montait la garde, s'est rendu compte que vous aviez dérangé un habitant local. Un énorme ours, occupé jusqu'ici à pêcher, s'est retrouvé, et sans doute relativement territorial, oui, dérangé et était en train de se précipiter vers vous. Par chance, heureusement que les yeux aiguisés de Nobalek avaient repéré cette cible. Et l'ours se précipite vers vous. Bien. Astrid, es-tu ? On va essayer de faire un sort, mais. Du coup, un sort de rang 2, du coup, ça va faire 2G, plus mon énergie psychique, ça va faire 3G. Plus le fait que ce soit pas un sort que j'ai, ça me défonce encore, je crois. Ça fait combien de dés là que je vais me prendre là ? J'utilise un point de volonté. Ouais, donc ça me fait déjà un dé. Ouais, ça me fait un D6 déjà. Il est forcément doublé vu que t'es un elfe. Voilà, donc ça fait 2D6. Sachant que quoi qu'il arrive, tu vas tirer un sort de rang 2, ça fait encore un dé. Non, ça fait pas un dé. C'est automatiquement tu tires un problème. Allez, vas-y, on va essayer. De toute façon, faut bien que ça parte un jour ce truc-là. Comme ça, je fais un 66 directement. Donc le sort marche automatiquement en fait. Donc c'est quoi le sort que tu lances? Celui qui fait bouillir le sang là. Immolation, si je dis pas de bêtises. Immolation. Bon, je vérifie quand même. Oui, c'est celui-là. C'est immolation. Même parce que vu que c'est la première fois que tu dis sort, un peu que les autres aussi sachent ce que tu lances. Alors, vous faites bouillir le sang de la victime jusqu'à ce qu'il s'enflamme. Le sort inflige autant de dégâts de force que le niveau de puissance. De plus, il continue à causer un point de dégâts par round jusqu'à ce que la victime éteigne les flammes ou réussisse un jet de souplesse.
L'avantage, si c'est souple. Effectivement. Toi, t'es un elfe, un demi-elfe, et en fait, ta puissance est toujours doublée en fait. Donc, pense. Tu vas lancer déjà 2d6. Alors, tu fais 6 et 1. Déjà, lorsque vous lancez un sort, chaque 6 obtenu, plus 1 de niveau de puissance, c'est sur 3. Et tu vas lancer 2d66. C'est 2d66? Alors, attends, je regarde. Ça se cumule? Là, je sais pas, justement. J'en lance un déjà. Il y en a un sûr. 35. 35. Pour moi, ça se cumule pas. C'est vite. Si ça se cumule, c'est une vraie saloperie. Hein. Non, ça se cumule pas pour moi. Incident magique. Si vous optez un ou plusieurs sur votre jet, vous libérez des énergies fulgurantes à maîtriser, subissez donc un incident magique. Non, ça se cumule pas. C'est un ou plusieurs. Peu importe que tu fasses des 1, en fait, à partir du moment que tu utilises un sort subpuissant, de toute façon, tu es forcément. D'accord. En fait, tu vas lancer ton sort. L'animal. Commence à bouillonner. Il va falloir qu'il réussisse un test de souplesse plus tard, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et il n'y a pas d'armure, même si je pense pas qu'il ait une armure, l'ours. Et tant qu'il réussit pas, il subit combien de dégâts? Toujours pareil? Un seul. Déjà là, il va se prendre 3 points de dégâts. Vous voyez clairement que l'ours commençait à galoper vers vous, et Astrid va nous dire ce qu'elle fait et ce qui se passe, ce que vous voyez vis-à-vis. Alors l'ours prend feu. Je te laisse décrire ce que tu fais, sachant que c'est visible en fait, hein, parce que si tu veux que ça soit pas visible, ben, contrainte. Là, c'est forcément visible. Alors je sais plus, mais je crois que ouais, il y a pas de cette magie-là, il y a pas de rune, si j'ai pas de bêtises. Donc, non. À partir du principe que j'énonce une litanie en faisant des gestes avec les mains, et vous voyez d'un coup l'ours qui prend feu. Et à ce moment-là, quand tu lances ton sort, tu sens la puissance se dégager, et à ce moment-là... Ah oui, le 35. Devant tes yeux, et uniquement devant tes yeux, tu vas le voir, tu as des flashs de... Tu vois le monstre, et de temps en temps, tu as l'impression de voir une créature hideuse qui se précipite sur toi, qui semble sortir du corps de l'ours, des visions comme ça par flash, et de temps en temps les choses redeviennent normales, et par moment tu revois une créature monstrueuse cornue avec une bouche emplie de dents qui semble vouloir carrément petit à petit, ça devient tellement énorme que t'as l'impression qu'elle va après avoir dévoré toi-même, et tu perds un point d'esprit. Après avoir du coup mis le feu à l'ours, je pousse un petit cri et je tombe en arrière, un peu terrifié. Pardon, tu m'as dit je prenais quoi comme malus? J'ai oublié. Tu perds un point d'esprit. Esprit. L'ours. L'ours va faire un test de souplesse. Puisque. C'est peut-être souple. C'est peut-être souple, un ours. Et commence, en fait, ouais, effectivement, l'ours commence à se rouler par terre. Voilà, où il se roule par terre. Quoi? C'est l'un ou l'autre. La description du sort a dit quoi? Attends, je crois que c'est l'un ou l'autre. Oh non, je pense que c'est... Jusqu'à ce que la victime réussisse avec un jet de souplesse, autant pour moi. J'ai rien. Non, non. En fait, le jet de souplesse, c'est se rouler par terre. Hein. C'est simplement... Et il continue à prendre feu. Résultat, il repère un point de force. Et c'est à notre cher
Senecio, que fais-tu? J'étais pas prête. Je... Je vois l'ours se rouler par terre, du coup, c'est ça. Je vais Il vous chargeait dessus, effectivement. Tu as vu ta nouvelle compagne de route, Astrid, lancer une litanie en direction de l'ours. Celui-ci vient de prendre feu. Il est toujours en feu et commence et se roule par terre pour tenter d'éteindre les flammes. Je vais essayer de me précipiter pour l'achever. Très bien. Et c'est, du coup... Donc tu vas te... Enfin, oui, du coup... C'est du déplacement, non? Là, vous êtes à portée proche, en fait, puis vous êtes dans la même case. Il te faut un déplacement pour arriver à portée de main. C'est-à-dire ici. Et tout simplement pouvoir le frapper avec peu importe quelle arme. Donc le déplacement, c'est une demi-action. Et le frapper avec... J'ai pointu... Enfin, j'ai mon arme est pointue. Est-ce que je peux... Enfin, pour tester un peu les manipulations, est-ce que je peux essayer un coup d'estoc? Je crois que c'est pour l'embrocher, non? Oui. Arme pointue, c'est un coup d'estoc. Ok, je voudrais essayer ça. Donc tu fais... Ton attaque avec... Oui, oui. Tu fais ton attaque avec ton arme. Elle fait combien de dégâts, ton arme? Elle fait 1. Tu planques l'ours, hein, Conti, qui émet un profond hurlement. Mais celui-ci n'est pas achevé, malgré que ta lance pénétrait le cuir. C'est à notre cher gobelin, Nodalek. Je siffle en direction d'Astrid, d'admiration, et je vais tenter de lancer un caillou sur cette bête, parce que je ne m'approcherai pas de ses grosses griffes. Ah, avec une fronde, j'allais dire. Je comprends, parce qu'au début, j'allais dire « Ah !» Ah oui, non, avec une fronde, bête. Pas la main. C'est resté sur les cailloux et les sables mouvants, il y a deux jours. Ça aurait été très très drôle. Oh. Un tir de fronde est très puissant. Effectivement, tu vas lancer un D66. 53. Donc, chaque violent, 53. Ben, en fait, oh là. Ta pierre, tu vises d'une manière de mettre, et ta pierre vient la frapper carrément dans l'orbite de l'œil de l'ours. Crevant son œil, l'ours s'effondre et il est agonisant. Il est en train déjà de cuire. Et il est à votre merci. Je continue à faire tourner ma fronde et je souffle dessus comme ça. Je sais pas à quoi ça correspond, mais je trouve que ça fait bien. J'espère que vous l'avez pas fait trop cuire, Astrid. J'aime mon ours. Rosé. Mahok, il n'a même pas eu à intervenir de ce combat. Pour une fois, t'avais fait tout le boulot la dernière fois, presque. Je suis frustré. Mahok est frustré. Il n'a pas avoir réagi assez vite. Ça va, Astrid? Genre, est-ce que je peux aller voir si elle va bien et si elle a besoin d'aide? Je crois qu'elle s'est un peu écroulée au sol. Toi, tu es quand même habitué aux soins. Tu vois qu'elle a, au moins, ça c'est l'un des effets, elle a les pupilles énormément dilatées, en fait. Comme quelqu'un qui aurait été terrorisé ou ce genre de choses. Je me tiens un peu la tête aussi. Visiblement, peut-être un mal de crâne. Je suis toujours au sol, hein, bien sûr, après ça. Au sol, sur les fesses. Quelqu'un s'est découpé les ours. Ah bah tu lui vois pas de blessure apparente. Hein. Effectivement, vous pouvez. Vous savez tous. Je regarde ma hoc quand je dis ça. Un ours est une source de
protéines, c'est important. Moi, je peux tout couper. Après, est-ce que ça sera... Ça sera de façon optimale, j'en sais rien. Attention quand même, quand il y a des petits os, c'est moins bon. Si on était dans la vraie vie, je te ferais tout ce qu'il faut. Mais là, je suis pas le meilleur. C'est de la survie ou quoi, non. Pas pour moi. Pour la dépecer, ça va être de la survie, effectivement. Alors, pour la nourriture, chasser, pêcher et autres, vous allez récupérer. Vous pouvez chasser. Vous n'avez pas à chasser, vous allez dépecer l'animal. Ça va vous donner de la nourriture crue. Bon. Vous pouvez la manger telle qu'elle. Ça vous fera une ration. Sans jeter de dés. Si vous voulez qu'elle rentre dans votre pool de dés, en fait, il va falloir la cuisiner pour qu'elle se conserve. Et après, elle est dans votre pool de dés, ça pose pas de problème. Grosso modo. Elle n'est pas un peu cuite ? Ah, elle n'est pas un peu cuite. Elle sent un peu le fumé pour l'instant, mais elle n'est pas très cuite. Effectivement, son sang a bouilli de l'intérieur. On ne pourrait pas faire du boudin. Et le sang est foutu. Alors, qui se tente à la dépecer l'animal ? Et à savoir que ben, finalement, vous êtes ici et le soir, vous savez que le soir va arriver. Vous pouvez continuer, mais vous savez que si vous continuez, vous n'aurez peut-être pas vraiment le temps de monter un camp avant la nuit. Peut-être si Sénécio découpe la bête, on peut monter un camp pendant ce temps-là. S'il y a un endroit propice autour. Ça reste de lui prendre du temps quand même, même s'il est doué. Oui. Je commence à chercher aux alentours s'il y a un endroit où on pourrait... faire un feu pour cuire cette ours. Tu peux voir pour monter un camp, donc c'est un test de survie. Merde, c'est aussi un test de survie. Tant pis, ouais. J'ai dit que je le faisais, je le faisais. Désolé. Alors là, si je pousse, je mange un point d'esprit, c'est ça l'idée ? Ouais. Au minimum, évidemment. Ça. Minimum, voilà. Eh bien, je le tente. Je suis joueur. Et tu as raison. Te démène, c'est fatigant. Tu réfléchis, tu dois te déplacer beaucoup. C'est agaçant parce que tu essayes de monter le camp correctement, mais t'es pas très doué. Et ça te prend un peu plus de temps. Et finalement, tu arrives, tu vas monter le camp avec succès. Au début, tu commençais à prévoir un endroit. C'est peut-être ça qui te fatigue un peu l'esprit, t'énerve parce que au début, tu montais un endroit. Et finalement, tu t'es rendu compte, après coup, que tu avais installé le camp près de Fourmilière. Et tu t'es dit, oh bah, ça va être une catastrophe, on va être toute la nuit. Et donc, tu as du coup déménagé. Hein. Voilà. Pas très loin de la rivière, vous trouvez un coin. L'avantage, c'est que vous êtes toujours près de la rivière. Sénécio, si tu... Donc, ça va... t'atteler à comment à préparer la bête si tu le souhaites. Ouais, c'est un ça me fait plaisir parce que je ressens quelque chose de familier un peu, ça me rassure. Cet esprit de la chasse qui revient. Et pas suffisamment. Ou pas. Je peux relancer ? Oui, tu peux, bien sûr. C'est cette excitation. Tu vas commencer à dépecer l'animal. Finalement, tu vas récupérer très peu de viande. Que c'est dans la précipitation ou l'excitation du moment, cette espèce de joie, d'allégresse qui... te prend à toi et en fait perce Thomas et la bile
aspirant un peu grande partie de cette grande viande, finalement relativement impropre. T'en sauves qu'un tout petit peu. Tu as une seule ration de viande. Une seule portion de viande. Tu peux continuer à manger comme ça un seul repas. Ou si on la prépare, peut devenir un dé supplémentaire à quelqu'un. Je la propose à mes compagnons, j'ai massacré tout. Et c'est cool de l'offre si l'un de vous qui a vraiment besoin. Bon, je vais manger une de mes rations. Peut-être que ça profite au moins à Astrid, qui a fait le gros du travail. C'est la viande d'ours cru. Puis on a monté le camp, on peut peut-être essayer de la cuire. Pas de quoi faire un feu. Alors, à partir du moment que vous montez le camp, il y a du feu. J'essaierai de la faire revenir. Profitant du feu et de la chaleur du feu, peut-être pour me remettre de ce qui s'est passé. C'est pour la préparer avant. Ou juste la manger? Non, la préparer. D'accord. Sans le jet. Oui, bien sûr. Pour la préparer. En activité, moment. Donc, je vais considérer que celui qui monte la garde, c'est Maok. Ouais. Du coup, on met Sénécio dans la chasse. Pardon ? Non, dans le voyage. Non, Sénécio. Occupé à dépecer la nourriture. On va dire que c'est sur ta partie. À cuisiner. Il y avait des objets qui donnent des bonus. C'est de la survie aussi hein, pour la cuisine. C'est de la survie aussi. Bah, t'es pas mauvaise, hein, Astrid, puisque c'est de l'esprit. Mais c'est de la survie. Sénécio, tu veux bien m'aider ? Sénécio était sans doute. Il a donné une partie de viande. Là, il est en train de s'occuper de mettre de la bile partout. Il ne peut pas tout faire. Et il prend confiance en toi. Ou pas. Ah. Putain. Tout un ours et on va même pas réussir à bouffer un steak. C'est la tristesse. Effectivement. Je le fais ton revenir, je le fais brûler, littéralement. Tu devras manger une de tes rations. En tout cas, le camp, au moins, lui, est monté. À la sueur de gobelins. L'animal que vous avez tué devait être, semble-t-il, au moins dans l'immédiat, le seul danger immédiat du moment. Astrid, ça sent le cramé, là, je crois. Désolé, j'ai raté la cuisson, je crois. Il y a le feu qui commence à crépiter. Vous êtes autour du feu. Maok, je vais te demander quand même un test d'observation. Alors, tu montes la garde. Donc, de perception, pardon. Très bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a personne. On est tranquille. Et faites-vous. Ouais, les amis. Là, vous êtes autour du feu, sans doute à manger votre ration. Et voyant le reste, le peu de viande sauvée de l'ours, va brûler dans le feu, sans doute. C'est tombé dans le feu, et c'est immangeable. Du coup, devant une Astrid, désolé. M'a fait le plus grand bien de la cuisine elfe, mais ça ne se vérifie pas. Il a plutôt pris des humains. Jamais fait la cuisine. Ouais, ça m'étonne pas. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de Green Sauce. Non ? Vous ne vous rappelez même plus de ce que vous dites, mes pauvres amis. Qui avait parlé Green Sauce ? Ils sont bien trop grands, le sang. Monte au cerveau,
Cette information ne reste pas. La communauté à l'ouest. Ouais. C'était... Alors, pour être exact, c'était Mahok et notre cher Enesio qui avaient entendu parler leur, ceux qui les transportaient jusqu'au campement de Green Sauce. Effectivement, qu'à un moment, on parlait... Vous aviez entendu que le chef des bandits pensait peut-être vous vendre au... Si c'était moi, c'était avec Astrid, du coup. Ouais, me ouais, semble Astrid, que c'est oui. C'était Astrid et Mahok, pardon, et au Purturdos. Il faut manger du poisson, camarade. Bah, on ne sait pas grand-chose de plus. Hein. Non, mais moi, j'en ai entendu parler de ce lieu, et visiblement, c'est une ville propice pour les... disons, les personnes à une réputation un peu sinistre, quoi. Et quand je vous regarde... J'ai pas l'impression de voir le premier de la classe, comme on dit. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais on dit ça. Mmh. Moi, j'aimerais bien savoir quand même. C'est quoi. C'est pas que je m'ennuie avec vous, hein, mais. Je sais toujours pas le nom du gobelin, il n'a pas voulu me le dire. C'est quoi votre but là? Parce que. On marche, on tue des ours. C'est cool. Mais comptez faire quoi exactement? Dans l'immédiat ou plus tard? Et dans l'immédiat, bah, savoir si si ça a un intérêt que je vous suive ou alors si je me casse tout seul dans mon coin quoi. Je voudrais chasser. Je voudrais chasser des créatures grosses que je connais pas. Ok. Moi, je compte trouver un endroit propice pour gagner. De l'or et de l'influence et utiliser pour botter quelques culs et devenir un peu plus puissant, que les gens arrêtent de me regarder de haut. Pour ma part, je cherche un lieu aussi où m'installer. J'aimerais monter une petite collection. Collection ? Collection. De petites broutilles, des objets magiques, ce genre de choses. Ah putain. C'est bien. Passe-temps d'elfe, ça, ils ont que ça à faire. Ah, parce que t'aurais quoi, toi, comme passe-temps, hein? Monter une arène pour pouvoir taper des trucs? Pas des trucs, des gens. Je veux trouver des gens. Les gens je me lève et j'éloigne un petit morceau du feu et je dis à Astrid, bien déjà, tu peux commencer par un bout de charbon d'ours. C'est assez rare, normalement. Ah. Pardon, mais je sais pas faire la cuisine. Ça viendra. Et après, on est un petit peu perdu, mais on a entendu parler de... Enfin, vous avez entendu parler de Green Sauce, qui serait à l'ouest. Et... Sinon, les fossés, j'ai entendu dire ces crétins qui avaient de l'or, mais... C'est moi, je t'ai dit que c'était un endroit rempli de pouilleux. C'est pour ça que... J'en prends note. Et peut-être que Green Sauce serait mieux pour arrêter de... De manger de l'ours carbonisé. Du coup, Green Sauce, on va pas, non, on va dans la bonne direction là. Oui. Parce que alors, c'était à l'ouest de notre position de départ du camp, du premier campement. Ils voulaient nous vendre là-bas, c'est ça? Oui. Hein. Ça a pas l'air d'être un lieu très accueillant. Ah, mais j'aime bien les lieux pas très accueillants. Souvent dans les lieux pas très accueillants, il y a des mecs forts, enfin qui se croient forts. Ça m'intéresse. Et ça, tu risques pas de nous poser problème là-bas? Je risque de vous poser problème n'importe où. On pourra miser de l'argent sur l'orque, Astrid. Ouais, je sais pas si tu sais, mais pas bonne réputation nous. De ce qu'on m'a dit cette ville, peut-être que tu passerais mieux là-bas. Ouais. Qui serait pendu directement. T'as une ville où je passais mieux, à part chez moi. Mais bon, ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis, de toute façon. Est-ce que tu leur laisses le temps de penser aussi, ça? Non, penser, ça fait mal au crâne. Alors, mais bon. Qui pour les fossés, qui pour Green Sauce? Moi, je vote Gensos. Moi, je suis tout d'accord avec le gobelin. Ah,
Si. Allons-y. Je suis pas sûr qu'il y ait des gros monstres à taper là-bas. C'est Nessio, mais bon. Peut-être on en rencontrera sur la route. Est-ce qu'un ours, c'est un gros monstre ? Non, non, je cherche quelque chose de bien plus... Comme quoi ? Disons qui rendrait hommage à la grande chasseresse. Un dragon ? Non. Bon, écoute-moi, les histoires de religion et tout ça, je m'en fous un peu, mais s'il faut taper sur des gros trucs, je veux bien te suivre, ça m'intéresse. Alors, ouais, sauf tu votre aspect, bien. Sauf votre respect, maître druide et maître orc, il va nous falloir un peu plus de matériel avant de nous attaquer à un dragon, je ne sais pas. Comment ça ? J'ai deux épées, une armure, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Je parle de la barbe, je dis... Il a failli se faire dérouiller par trois bandits, mais il va attaquer un dragon. Bon. Vous êtes quand même sacrément un fier champion. Je suis d'accord. C'est à moi que ça s'adresse, je suis d'accord. Oui, c'est à toi. Eh ben, Astrid, j'aurais peut-être dû leur laisser préparer l'autre petit endroit de campement que j'avais préparé. Quel autre endroit tu parles ? Là, il y a les fourmis. J'avais peur qu'elles gâchent l'ours, mais bon, c'était pas... La prochaine fois, vous ferez à manger. Oh, et ben moi, je vais aller me reposer. Tour de garde. Effectivement, l'un de vous doit se reposer. Et... Le monde de la garde, c'est nuit. Ouais. Écoutez, je veux bien prendre le premier tour de garde. Ah, c'est qu'un seul tour. On dort. Allez, je vais le prendre. Je peux le faire si vous vous sentez fatigué. Vous avez fait un gros effort. Vous aviez l'air épuisé. C'est gentil, mais je veux profiter un peu de la nuit. Je veux pouvoir profiter un peu des étoiles. J'aime rester parfois comme ça la nuit, à regarder le ciel. Autant en profiter maintenant, vu que c'est un peu calme. Je vais me faire un test de perception. Les autres, dormir et récupérer l'intégralité de vos points. Vas-y, je pousse pas. Non, j'ai dit non. Non, j'ai dit non. Ah non, tu pousses pas. Donc l'aube se lève. Astrid, un peu fatigué quand même. Donc, va être épuisé. Et à vous de voir ce que vous faites. Ou non. Continuez à longer la rive. Et un chemin. Et vous prenez-vous une autre direction. On est d'accord pour essayer d'aller à Greensauce, non ? Ou... Ouais. On a une carte, hein, c'est ça ? La carte qui s'affiche, vous l'avez. Ok. Eh ben, moi, je dirais qu'on continue à suivre la rivière. Pour l'instant, ça va vers le nord, mais à un moment, elle bifurque vers l'ouest. Au moins, on a à boire tant qu'on la suit. Là, on part par là. Donc, votre guide ouvre la marche. Un test de survie de la personne qui ouvre la marche. Je me propose. Oui. Ne tombe pas je sur me des propose ours. Pas. Tu ne tomberas pas sur des... Vous long... Et vous longez la rivière. Le fait que vous longez la rivière, au bout de 4 heures de marche, vous voyez de la fumée venant du nord. Non, d'ici. Alors, vous continuez. Alors que vous avancez le long de la rivière, eh bien, vous apercevez un village juste l'autre côté de la rivière. En fait, il y a un pont. Il semble être petite balade. Ça peut être. Potentiellement les fossés. J'en ai l'impression.
chercher un pont en plus. Ici. En longeant la rivière, vous voyez ici. Avec un pont qui relie du coup les deux cases. Ouais. Bon, de toute façon, on aura de quoi manger, de quoi dormir. De loin, ailleurs que sur le sol. De loin, vous voyez ce village entouré d'un petit mur de. Un petit, c'est pas des remparts. Hein. Enfin, mur. Il y a une grande colline derrière lui. Et par contre, ce qui vous marque, c'est que toute une partie ne semble pas être un village, mais une nécropole. Ça fait accueillant comme endroit, ou c'est très sinistre? Alors, dis-toi que tu connais pas ce que c'est un village accueillant. Ok. Alors, déjà, la moitié du truc. Et les enfants qui font la ronde dedans. Cimetière. Donc, déjà, ça n'a pas l'air super joyeux. Après, tu vois des chaumières de loin. Et tu vois de la fumée qui s'en dégage, ce qui indique qu'il doit avoir de la vie. Vous êtes encore bien trop loin pour voir s'il y a. Non. Finalement, vous avez presque dormi. Et pas si loin que ça, vous auriez peut-être pu apercevoir des lueurs dans la nuit. Autre chose, ceux qui montaient la garde, mais. Autant y passer. Bonne vue. Autant y passer, on le cherchait de toute façon. Oui. Peut-être qu'ils arriveront à nous donner une direction pour le prochain village. Allons voir ces gens. Je leur pose des questions, je suis sûr qu'ils vont me répondre. Bah moi, quand on s'approche, je vais essayer d'observer, quoi. Enfin, j'imagine que nous tous, quoi. On va essayer de voir s'il y a des mouvements d'humains, des. Vous approchez, le lieu est déjà le soleil est pas beaucoup de soleil cette matinée. Le ciel est gris, trop lourd, pas très 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 chaud. Là, vous êtes au début de l'automne, mais il ne pleut pas. On sent qu'il c'est quand même assez menaçant et le ciel est, on va dire, assez bouché. Vous avancez donc vers ce village. Clairement, vous arrivez du sud de route qui mène à travers des champs en direction de ce village. Vous arrivez du sud-est. Le village. Maintenant que vous êtes plus proche, le village paraît accueillant. Quelques maisons cossues sont accolées les unes aux autres, légèrement voilées par le volute de fumée qui s'échappe des cheminées. Vous entendez au loin des cris d'enfants qui jouent et vous sentez une délicieuse odeur de pain frais et vos narines avec le vent. En vous rapprochant, vous remarquez qu'il y a un muret qui entoure les habitations gardé par de rares tours en pierre, à l'architecture relativement rudimentaire. Vous arrivez ensuite devant un panneau en bois planté à côté de la route. Dessus, on peut lire « Bienvenue au fossé. Venez boire notre bière, goûter nos plats, mais honorez toujours les morts qui marchent à nos côtés. » Il y a certaines des tombes qui ont l'air plus riches que d'autres, ou c'est que des... Là, vous êtes bien trop loin. Hein, pour. En plus, vous arrivez du sud-est, toute la partie que je vous disais de tombe. Plus de loin, ça semble être... quand vous étiez loin, vous étiez peut-être un peu sur une colline, en fait, quand vous avez aperçu le village. Et un peu vu de cette manière, un peu de loin, effectivement, il semble avoir un cimetière au nord. En fait. Ce que vous remarquez peut-être plus visuellement, c'est ce pic rocheux et... espèce de cercle de monolithe se trouve
plus en haut de ce promontoire rocheux. Et pour ceux qui nous laisseront aller voir ce lieu. Déjà, ils nous invitent à boire de la bière. Après, ça, c'est intéressant. Nous vous invite. Ils t'ont pas encore vu. C'est marqué, venez boire de la bière. Ce message doit pas s'adresser à toi, je pense. C'est pas marqué en or. Moi, de toute façon, je continue à avancer. Je veux savoir si... De toute façon, on va avancer jusqu'aux portes, au minimum. On va pas rester au milieu du chemin. Oui, je suis Nodalek.